Thank you.
bien. Salut à tous, c'est RufoZoan, merci de me suivre pour ce, déjà sixième épisode de Retro Kids Evol. Alors, normalement, il était convenu que je vous fasse choisir à vous les viewers quels sont les jeux auxquels on joue ensemble tous les dimanches. Et puis, j'ai un peu zappé. Je suis désolé, j'ai un peu zappé de vous faire le sondage. Donc je me suis dit que j'allais vous faire... Ah, il n'y a pas le chat, ça y est, le voilà. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite... un petit rétro où on se fait plaisir, un petit rétro où on va voir jusqu'où la mémoire est capable d'aller. Voilà, le titre apparaît, il est là-haut. C'est The Legend of Zelda, Link to the Past, le Zelda 3 sur Super NES, le Zelda le plus connu de l'univers, le Zelda le plus joué au monde. Et pourtant, à mon avis, on va quand même être pas mal... cet après-midi, à voir jusqu'à quel point on peut aller en 2 heures, puisque le concept n'a pas changé, c'est toujours ça. Tous les dimanches, à 16h, on se fait 2 heures de rétro Pokémon. Et donc, évidemment, comme je suis super en avance, on va pas perdre plus de temps et on va se lancer tout de suite le petit générique et ensuite on se lance là-dedans. Allez, c'est parti! Qu'est-ce que ça fait plaisir de réentendre cette musique, franchement, c'est juste trop bien, c'est juste génial. Hop, tiens, je vais me la mettre sur l'écran, voilà. Bon, les gars, ça fait 22 ans que ce jeu est sorti, 22 ans, c'est juste énorme. Bon, on va la jouer RP, je vais appeler mon personnage Link et par UFO, parce que c'est juste pas possible, quoi. Un jeu Zelda, ça se respecte, donc voilà. Non, pas Roger, non, c'est moche. Link, ça sera très bien. Écoutez, c'est parti. On est de retour dans Zelda 22 ans après. Putain, waouh, c'est chaud. Faut que je m'habitue à me prendre des claques nostalgiques comme ça dans dans les rétro Beats et Vol. Faut que je m'habitue. Alors, pendant qu'on se tape l'intro qu'on a vu mille fois, je vous fais juste un petit topo sur Zelda, je me suis renseigné un peu avant. Et il y a des choses que je savais pas, puisque par exemple le jeu en version occidentale, donc version américaine et européenne, s'appelle A Link to the Past, c'est connu, ce qui signifie un lien avec le passé et qui fait du blanc pour l'oie avec le prénom du personnage qui est Link, bien sûr. Donc ça, tout le monde le savait. Chose qu'on sait un petit peu moins, c'est que le jeu en version japonaise s'appelle La Légende de Zelda, comme d'habitude, et ça s'appelle La Triforce des Dieux. Bon, voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que politique de Nintendo of America, qui découle ensuite, qui venait entacher celle de Nintendo of Europe, c'est que on a voulu virer toutes les connexions théologique, biblique, etc. Donc c'est ce qui fait que le jeu en version américaine et en version européenne a été complètement épuré de toutes les notions à Dieu, tous les rapports à Dieu, tous les rapports à la théologie. Ça a complètement été viré. Donc c'est ce qui fait que par exemple l'église, la fameuse église dans laquelle on emmène Zelda au début du jeu, quand on la libère de sa prison, et ce n'est plus une église, mais un sanctuaire. Voilà. Le prêtre qui récupère Zelda n'est jamais appelé mon père, le prêtre, ou quoi que ce soit. On ne parle jamais des dieux. On parle jamais des... des prêtres, mais on parle des sages. Aghanim, ça devient un sorcier, alors qu'en fait, c'est un prêtre, lui aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme notion? Enfin bon, voilà, il y a franchement toutes les notions bibliques, elles ont complètement été tèges.
du jeu, et donc ont été remplacés par, par tout un tas de synonymes, mais avec moins de consonance biblique ou théologique. Voilà, voilà. Ah oui, tiens, il y en avait une autre aussi. Vous savez, le livre de Mudora, je crois qu'il s'appelait comme ça, le bouquin qui nous permettait de lire des inscriptions un peu cheloues, et ben en fait, normalement, c'était pas censé être des inscriptions cheloues, c'était censé être des hiéroglyphes, des trucs égyptiens, et en fait, pas du tout. Ils ont voulu le dégager, et donc du coup, ils nous ont collé des trucs où on comprend rien, de toute façon, ça a été tout le temps. Ah, raté. Voilà. Donc bon, voilà, ça c'était pour la petite histoire du jeu. Et apparemment, il y a eu à une époque un concours pour que des mecs puissent faire apparaître en fait un message de leur part dans le jeu. Et en fait, ce message ne pouvait être vu que en cas de bug. Alors, je sais pas pourquoi Nintendo a prévu ça, mais en fait, c'était au cas où. En jouant, on change d'écran, et puis on sait pas pourquoi, mais Link. Enfin, il y a un bug lors du changement d'écran, et donc en fait, ce bug nous amène dans une salle secrète dans laquelle il y a un mec qui dit ouais, salut, vous êtes dans ma salle secrète, je m'appelle Pitule, je sais plus comment ça s'appelle, c'était un américain d'ailleurs, et voilà. Donc bon, ça c'était pour les petites histoires du jeu. Alors après, il y a eu aussi de nombreux speedruns. D'ailleurs, le speedrun le plus rapide, je crois que le mec il a fini ce Zelda là intégralement, il l'a fini en moins de 2 heures, à 100%. Donc, waouh, respect. Bien, allez, on va arrêter de parler donc de tout ce qui entoure le jeu. Ah tiens, je me rappelle de ce perso, il me semble qu'on le revoit qu'une deuxième fois dans le jeu. Ça doit être, je crois, le perso de base qu'on voit le moins dans tout le jeu. Zelda. Ah, ça fait trop bizarre, franchement. C'est génial. C'est vraiment génial de se remettre à des jeux comme ça, 22 ans après, quoi. Putain, j'avais 10 ans quand je jouais à Zelda. Bon, pour le moment, ça va, la mémoire... La mémoire est encore là. Donc, ouais... Moins de 2 heures, 100% du jeu, quoi. C'est assez impressionnant. J'ai pas osé regarder le speedrun justement pour voir ce dont j'allais pouvoir me rappeler 22 ans après. Mais ah ouais, non, mais c'est maîtrise de la carte. Je sais pas si le mec il exploitait des bugs ou pas. Mais c'est assez impressionnant, quoi. Bon, jusque-là, la mémoire va bien. De toute façon, le début du jeu, on a dû le faire tous des dizaines de fois. C'est vrai qu'à l'époque, on avait beaucoup moins de... Enfin, disons moi, j'avais quand même beaucoup moins de jeux que ce que j'en ai maintenant. Donc à une époque, j'avais moins le choix. Donc c'est vrai que à l'époque, j'hésitais moins à me refaire un jeu 2-3 fois, alors que maintenant, c'est à peine si j'ai le temps de finir tous les jeux une fois, quoi. Ouais, c'est bien parce que, comme on a grandi, on a les moyens d'assouvir des pulsions qu'on ne pouvait pas assouvir étant gamin. Mais... Ah oui, exact. Vous voyez, le maître du sanctuaire, alors que c'est juste un curé, un prêtre de base, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, et donc à l'époque, franchement, on avait beaucoup moins les moyens, donc on se faisait pas chier et on faisait le jeu. Le même jeu, X fois d'affilée, ça ne posait aucun problème. Bon, alors, je crois qu'on attaque les égouts, si je me rappelle bien, ou du moins les salles cachées. Hop. Ah oui, c'est vrai que les rats là, ils étaient blindés en roupies. Ah, raté. Mais après, il y avait des serpents aussi, si je me rappelle bien. Ah ben voilà. Hop, hop.
Putain, c'est fou, comme je me rappelle de plein de trucs, c'est impressionnant. C'est dingue, dingue. Je suis même pas sûr qu'il y ait autant de jeux que Zelda qui ait pu me marquer autant, quoi. Parce qu'il y a des détails dont je me rappelle, c'est assez impressionnant. Notamment à la fin de ce passage. Peut-être parce que je me suis fait avoir quelques fois aussi. C'est peut-être pour ça que je me rappelle aussi bien. Mais à la fin de ce passage, juste avant le sanctuaire, il y a deux leviers à tirer. Et je me rappelle très bien qu'il fallait pas se bourrer de leviers, sinon il nous tombait une armée de serpents sur la gueule. Donc on va vérifier. Mais je me rappelle très bien lequel c'était de levier. Comme ça, ça vous laisse le temps de répondre. Voir si vous vous en rappelez déjà de cette histoire de levier et lequel c'était qu'il fallait tirer. Est-ce que vous en rappelez? Ah. Hop. Putain, c'est dingue, je m'en rappelle. Alors, de force. Bon, en même temps, je dis que je m'en rappelle, je fais style que j'ai une fat mémoire, mais bon, c'est le début du jeu, donc c'est vrai que le début, je l'ai quand même fait pas mal de fois. Tu t'en rappelles absolument pas, ça, non? Ah ouais, c'est marrant. Bon, après, on l'a peut-être pas tous vécu de la même façon non plus. Mais c'est clair que celui-là, moi, c'est quand même un jeu qui m'avait énormément frappé. Je pense qu'avec Final Fantasy, ça fait partie des jeux... Final Fantasy 7. J'ai trop bu pendant... Je crois qu'avec Final Fantasy 7, ça fait partie des jeux que j'ai fait le plus de fois et qui m'ont le plus marqué dans ma vie, tu vois. Parce que c'est vrai que Final Fantasy 7, ça a quand même été une énorme baffe. Monumental. Hop et hop. Donc la réponse c'est le levier de droite. Vous avez remarqué d'ailleurs que quand je suis allé vers le levier de gauche, Zelda elle m'a rien dit et que là elle m'explique comment je fais pour ouvrir le levier de droite. Donc c'était déjà un petit indice. C'est assez marrant quand même, hein. Là franchement on a tout, on a la musique de l'église et tout. Et on va nous dire que c'est le maître du sanctuaire. Bon. Bien alors, on connaît l'histoire par cœur, on sait que il faut les descendants des sept sages pour arriver à ouvrir le sceau. Blablabla. Il faut qu'on aille chercher Escalibur, il faut qu'on aille chercher le premier descendant des sages dans le village Cocorico qu'il y a vers. Je me porte à chaque fois à l'ouest. Oui, j'ai compris, je suis pas un naze. Et donc là, il me semble qu'on récupère le premier réceptacle complet. Voilà. Hop là. Ça, c'est fait. J'ai quelques petits restes. Oui, effectivement, aucun lien. Les Sonic. Hop. Ah oui, faut que je me retienne des fois de tuer des gardes, ça sert un peu à rien dans Zelda, à part gagner des roupies, franchement. Alors qu'est-ce qu'on avait là? Ah oui, c'était la hutte de la voyante. C'est vrai. Putain, qu'est-ce qu'on perdait comme temps à ratisser les buissons dans ce jeu pour trouver des roupies dessous. C'est vrai qu'on faisait ça. Passer notre temps à... Il y a plein de mèmes d'ailleurs sur le net où on voit les... D'ailleurs, il y a eu une image où ils montraient le prochain Zelda, donc il va y avoir sur Wii U. Ouais, j'ai bien fait de racheter une Wii U. Prochain Zelda qui va y avoir sur Wii U, où on voit Link sur... Enfin, on voit un personnage qui ressemble bizarrement à Link, parce qu'il y a une petite... Il y a un petit truc là-dessus. Nintendo a pas dit que c'était Link. Voilà. Donc, du coup, il y a une sorte de mystère qui plane là-dessus. Est-ce que c'est Link ou pas? Est-ce que c'est un nouvel arc
Parce que je sais pas si vous savez, mais dans la timeline des Zelda, il y a une timeline qui est, on va dire, la base, qui commence avec Skyward Sword, et en fait, qui va jusqu'à Ocarina of Time. Et donc, à partir de Ocarina of Time, si Link arrive à battre Ganon, on passe dans la timeline, je sais plus comment elle s'appelle la timeline, bref, c'est la timeline qui fait, qu'est-ce qu'il y a dans cette timeline d'ailleurs, je m'en rappelle plus, zut, qu'est-ce qu'il y a dans cette, ah, fuck, je m'en rappelle plus, qu'est-ce qu'il y a dans cette timeline, je m'en rappelle plus. Bref, il y a une timeline où il va. Ah oui, c'est ça. Je crois qu'il y a Minish Cap, A Link to the Past. Enfin bon, bref, il y a une timeline comme ça et il y en a une autre timeline où en fait il ne bat pas Ganon. Et dans ce cas-là, c'est la timeline qui nous amène vers les premiers jeux NES. Voilà, Wind Waker et Ocarina of Time, mais la partie adulte. Cette fois, et en fait, la partie où il ne bat pas Ganon, c'est la partie où justement il y a plein de mecs qui essayent de ressusciter Ganon, et donc ça nous mène au premier jeu NES. Donc c'est assez marrant quand même qu'on ait commencé sur NES par une timeline, et qu'au fur et à mesure des jeux Zelda, ils se soient amusés à ouvrir les timelines comme il faut. Bah dis donc, je commence à être plein de pognon. Comment on fait déjà pour assigner? Ah oui, c'est vrai que c'était juste comme ça. Il fallait choisir et laisser comme ça. Bon, voilà. Je suis pété de blé. Ah, un quart de cœur. Donc voilà. Là, donc on est dans A Link to the Past. qui fait donc partie de la timeline où... on n'a pas vaincu Ganon, je crois. Je sais plus. Je l'ai su à une époque et là, je m'en rappelle plus du tout. Bien, bien, bien. Hop. Bon. Je me rappelle que il y avait une histoire avec les poules. Je me rappelle plus ce que c'est exactement. Je crois qu'il fallait. Fallait les frapper souvent pour que... Ouais, je me rappelle le truc du plafond. Fallait les frapper souvent pour qu'à un moment donné, il y ait toutes les poules qui se jettent sur nous au village Cocorico. Et après, il y avait un autre délire, je sais plus ce que c'était, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, le portrait de Mario que quand on le tire, youhou, ça nous file plein de roupies. Voilà, s'il y a des petits trucs des fois que vous ne saviez pas, je vais vous en sortir quelques-uns, 2-3. Alors là, il y a un mec qui va me remercier de lui avoir dépayé sa pelouse, qui pousse quand même affreusement vite. Ah oui, il me parle du lac Zora, c'est vrai. On s'en fout. Hop, voilà, voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah ouais, le gamin qui va nous filer son filet à papillon, justement. Voilà. Vachement pratique, parce qu'on va pouvoir choper des fées pour pouvoir les mettre dans les bocaux qu'on va trouver. Enfin, là, j'en ai acheté un, mais il me semble qu'on en trouve un autre. Ah oui, et lui, il faut lui courir après avec les bottes. Donc ça sera plus tard. Hop, une petite bombe ici, attention à la poule. Voilà, t'as pris un coup, tant pis pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans déjà? Youpi, j'ai des flèches et j'ai même pas l'arc. C'est vrai. Donc là, c'est bon, tout va bien. Oui, je le courserai plus tard. Il y avait un truc là-bas, je m'en rappelle plus. J'ose pas utiliser ma... Oh zut! Ah bah tiens, j'ai gagné une bombe. Je vais pouvoir l'utiliser finalement. Hop,
On va voir. Ouais, c'était bien ça. Il me semblait bien qu'il y avait un truc. Oh, saleté. Voilà. Et il me semble qu'après, une fois qu'on sera dans le monde maléfique, il y aura un truc par rapport à ça. Je crois qu'il faut le péter ici. Aller dans le monde maléfique pour trouver quelque chose dedans, je me rappelle plus. Je me rappelle plus exactement. Bon, on est rapidement pété de blé dans ce jeu quand même, hein. Il se cache dans le palais de l'Ouest. Ah, la carte en mode 7. Ah, c'était bon ça. Alors, il est là. Comment on fait déjà? Je vais passer par le bas, comme ça on passera par la maison de Link. Allez, on va faire ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais, non, on s'en fout. On s'en fout. Alors, là, il y a l'auberge. Avec le papy bourré et un autre mec bourré. Ah oui, c'est vrai qu'il faut rentrer par l'autre côté avec une porte qu'on voit pas dans celui-là. C'est vrai, c'est vrai. Hop, on fait deux tours. Et là, donc, on a la porte cachée. Ah, cool, déjà deux flacons, putain. Il me semble qu'il y a quatre flacons. Oui, c'est ça, 1, 2, 3, 4. Comme ça, je commence déjà à être bien stuff, on a même pas... On a à peine commencé le jeu. Je commence déjà à avoir des trucs. Hein. Bon, on va passer par ici. 22 ans, putain, elle marche bien la mémoire quand même. Hein. Pas de problème. Alors là, il y avait quoi? Il y avait un délire avec... Ah oui, bah il est là, c'est le livre de Mudora, ça. Ou peut-être pas. Et ça, comment on fait pour l'avoir déjà? Ça, je crois qu'il me faut des bottes, je crois. Je crois qu'il me faut des bottes et il me faut que je cours après dessus pour... c'est ça, c'est ça. Il me faut des bottes et avec les bottes, je peux courir contre le... Enfin, je peux courir et frapper le... Et mince, tant pis. Ah coucou. Bon, c'était... franchement, j'ai fait ça au pif. Enfin, de toute façon, en même temps, sur ce jeu-là, on n'a pas le choix. je crois que celui-là, on peut pas se le faire avec une bombe. Si, on peut. Ah oui, c'est vrai, le mec, il s'était engrainé avec son frère, du coup, il l'avait enfermé. Il lui avait fait le... Il lui avait enfermé le... La porte. oui, les bottes et les, ouais. Alors, 15 secondes. Je crois que c'est juste pas possible parce que c'est ça. Il me faut le bracelet. Le bracelet de force pour lever ça et je l'ai pas. Donc c'est mort. Hop. Donc on va ressortir. Oh! Faut que je me rappelle de venir là dès que j'ai le bracelet et, et les bottes. Comme ça au moins. Ça me fera un petit quart de cœur. Là c'était. Il y avait un mec où il fallait lui jouer de l'ocarina, je crois. Ou alors il jouait de l'ocarina et il me la file. Je me rappelle plus. Je crois qu'il est au milieu tout en. Ouais, c'est ça. Et il disparaît. Voilà. C'est assez impressionnant quand même de se rappeler d'autant de détails 22 ans après. C'est fou. Bon, allez, donc... qu'est-ce qu'il faut avec un arc? Donc là, il faut remonter. Hop. Tiens, d'ailleurs, petite anecdote marrante. A Link to the Past, c'est le jeu qui a le jeu de la franchise qui a le plus de donjons. Il en a 12, exactement.
apparemment, c'est le jeu où il y a le plus de donjons. Voilà. Ex aequo avec forcément A Link Between Worlds, l'opus sorti donc sur 3DS. Pareil, il y en a 12 aussi. Alors là, par contre, je me rappelle beaucoup moins de ce qui se passe dans celui-là. Ah oui, il y a les statues qui bougent, c'est vrai. Le retour des monstres qu'on avait dans le 1. Hop. Alors, faut aller tout en haut et on va voir. Bah, il est là. Logiquement, il est là. Voilà. Donc, le sage, ça sera là, je crois, qui s'appelle un truc comme ça. Ça Asrala. Une nouvelle fois, je fais démonstration de ma mémoire affolante. Donc je suis bien Ça Asrala, l'ancien village, l'un des descendants des sept sages. Je suis surpris, Link, qu'un jeune homme comme toi puisse chercher l'épée du diable. Il va donner à tout le monde d'utiliser sa main, j'en transmise par les Aiguillens, mais dit que seul le héros qui aura gagné les 30 inventifs pourra manier cette épée. Bien sûr que je veux la trouver. Peux-tu récupérer le pendentif du courage dans le palais de l'Est? Ah oui! C'est lui qui file les bottes! Ça y est, je m'en rappelle. Quand on lui ramène un pendentif, alors est-ce que c'est le pendentif du courage? Je ne m'en rappelle pas. Mais en attendant, c'est lui qui file les bottes. Ouah, je suis pété de thunes! C'est bien qu'on m'explique comment on pose les bombes, sachant que ça fait un moment que je les ai. Ça aussi, ça fait partie d'un même internet où les mecs s'étaient amusés à... Les mecs ils s'étaient amusés à montrer que le jeu très souvent expliquait à quoi servait tel ou tel item, alors que ça faisait un moment qu'on en avait déjà plein. Tiens, encore des flèches. Et il me semble que on est plus très loin. Aïe. Résistante, cette statue là. Ah bah il est là. Le voilà, le palais. Hop. Bien, c'est parti, premier donjon. Ah bah c'est le donjon où on récupère le... C'est le donjon où on récupère l'arc. Puisque après il y a un délire où il faut... Il faut foutre des flèches dans les yeux des statues, là. Ah, oh, l'OST. Ah, oh, elle est géniale, l'OST de ce jeu, franchement. Oh là 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 là, ce jeu. Bien, alors, hop hop hop, ça c'est bon, on sait gérer. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je crois que vers le milieu, il y a la carte, mais on pas la boussole. Non, sans répit. Donc ça te prie. Pété de thune, je suis pété de thune. C'est assez bon. Ok, donc ça c'est fait. J'ai pas de clé, donc c'est pas la peine que j'aille dessus. Ah, bah je crois qu'il est en bas, l'arc. Hop. Alors, les petits squelettes. Ça, c'est fait. Bon, il y a des trucs cachés, super. Ok, il se passe rien. Donc on n'est pas au bon endroit. Voilà, voilà. Ah oui, c'était des saletés, ça. Parce que vraiment, plus tard dans les donjons, après, ils nous en foutent. Ils n'hésitent pas à nous en foutre plein partout des. De ces trucs rouges là qui rebondissent dans tous les sens. Bien, alors. J'ai déjà une sacrée. J'ai déjà fait
faire pas mal le tour de du donjon. Allez, file-moi du pognon. C'est tout, radin. Alors, donc ça c'est fait. Ensuite, on va aller de l'autre côté. Et si ça me permet de descendre, c'est bon. Voilà. Bon, on s'en fout. Hop. Ah, c'était pas fait exprès ça. Hop. Et hop là. Facile. Alors là, c'est la boussole. Voilà, la boussole. Hop. Donc là, maintenant, on est en dessous. Ah oui, alors ça, c'était quoi déjà? Ça sera là. Ah oui, c'est vrai. Vaincre les ennemis coriaces. Donc on va aller chercher. Ah bah ils sont là les ennemis coriaces en question. On va pouvoir aller chercher donc l'arc. Ah oui, c'est vrai qu'il faut la. Il faut la master key. Ah saleté. Bon eux de toute façon c'est pas la peine. Hop. Voilà. Donc il doit y avoir une petite clé ici. Voilà. Ouah. Voilà. Hop, la petite clé. Parfait. Ok, bon, c'est bon. Là, on a bien ratissé. Bien ratissé comme il faut. Hop. On peut aller ouvrir ici. Ah oui, tiens, c'est vrai. Ce passage là. Alors c'était quoi déjà le fond? Comment ça marchait déjà l'histoire là? Ah bah oui, c'était ça en fait, il fallait buter tout le monde dans la pièce, et ensuite... Et ensuite il y a les trucs rouges qui vont apparaître. Voilà. Wouh! Alors, Master Key, voilà. Ça c'est fait. Hop. Voilà, très bien, on peut descendre, aller chercher l'arc, et puis bah ça sera déjà le premier boss. Dis donc, ça va pas traîner. Je me fais toucher par le truc de base. Ah oui, ils sont pénibles. C'est vrai. Exact, exact. Bon, on va sortir tout de suite l'arc. Parce que je vais en avoir besoin pour le boss. Est-ce que ça m'embête pas? Voilà. Alors là, j'ai une petite clé. Et là, c'est déjà ouvert. Faire la petite clé, tant qu'à faire. Où est-ce que ça nous mène? Ah bah non, alors faut que je redescende et que j'aille dans la petite salle à côté que je suis pas allé visiter. Faudrait
faudrait pas que je rate un truc. Ah bah, c'est peu de le dire que j'ai failli rater un truc. Hop, voilà, c'est fait. Ça, c'est bon. Je suis hautement pété de pognon, quand même. Hein. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Hop, ouverture de la porte. Voilà, voilà. Il n'y avait pas un délire à un moment donné où il fallait bouger les statues. Ah, ok. Voilà. Alors, celui-là c'est bon. Là. Alors, ça va nettement plus vite que dans la version européenne, puisque en fait, donc là, hein, il s'agit bien de Zelda européen, là, donc ça n'a pas de problème. Mais comme je me suis fait switch la console par FF6man, en fait, maintenant ma console lit automatiquement les jeux PAL. Elle me les lit en 60 Hz, donc c'est-à-dire à la vitesse à laquelle tous les jeux Nintendo sont censés être, puisque évidemment les jeux Nintendo étant développés au Japon, et ben ils sont prévus pour du 60 Hz, donc forcément, fallait faire n'importe quoi, donc forcément les jeux étaient en 60 Hz. Est-ce qu'on peut parler de 60 images par seconde? Je suis pas sûr. Donc, on va se les bouillave. Hop, hop. Oula, raté. Excuse-moi, je t'ai raté. Voilà. Allez, là, on fait un peu les golasses sur les bords. Raté. Hop, 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 et lui normalement ça lui plaît pas, j'ai buté ses frères. Voilà, hop, premier donjon conquis, et premier pendentif sur 3. Ça commence plutôt bien, à peu près 35-40 minutes de jeu, ça le fait, moi je dis ça le fait. Donc, allons voir ça sera là. Et donc, on va pouvoir lui fonctionner le pendentif. On va pouvoir faire les beaux. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Donc, il y a longtemps, un ordre de chevaliers protégeait le royaume d'Hyrule. Ces chevaliers étaient aussi les gardiens du pendentif du courage. Malheureusement, la plupart d'entre eux furent tués pendant la grande guerre contre le démon qui éclata quand les sept sages créèrent leur sceau. Des descendants chevaliers d'Hyrule, un héros doit surgir. Bien, Link, j'ai fort en toi, tu vois, et pas les autres pendentifs. Toi, c'est un trésor qui m'a transmis. Blablabla. Voilà. Très utile et caché dans la grotte à l'est du lac Ilia. Alors, le lac Ilia, on va sortir. Alors, est-ce que c'est... C'est quoi déjà? C'est ça le lac Ilia. Donc la grotte à l'est. Donc c'est là-bas. Ok, allons-y. Hop, tout de suite. On va aller chercher donc le trésor vachement pratique. Hop, hop. Ça, c'est bon. Oup. Esquive. Hop. Alors, où est-ce qu'on passe, là? Non. Si, pardon. C'était bien par là. Tiens, je suis pas allé voir. Je me rappelle plus ce qu'il y a de ce côté. Ah, il y a une petite grotte là. On va aller voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Ah bah une fée, tiens. Ah bah non, elle lâche pas de... Effectivement. Elle ne lâche pas de petite fée, donc je peux pas
pas les récupérer. Vachement pratique les petites fées, puisque justement ça nous permet de ressusciter automatiquement si jamais on se fait trop pliable. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a là déjà? Ah, bon bah là il nous faut les... c'était quoi déjà? Les palmes? Je me rappelle plus. Que Zora nous donne, vu que de toute façon on a Zora dans à peu près tous les jeux. Et que un coup c'est des palmes, un coup c'est autre chose. Hop, tant pis, c'est pas grave. Je prends quelques coups. Alors, qu'est-ce que c'était déjà ça? Ah, chouette. Encore un vendeur. Bon, on s'en fout. Tout va bien. Tiens, saleté. Je crois que lui, s'il arrivait à nous toucher, je crois qu'il nous volait un truc, si je me rappelle bien. Le Corbac. Et là, c'est encore une voyante. C'est ça. Donc on s'en fout. Hop. Putain, il faut que je fasse tout le tour. Voilà. Ça, c'est bon. Mais je crois que je peux pas y descendre aussi. Non, je peux. Ah si, je peux y aller. Ah oui, exact. Ça y est, je m'en rappelle. Donc là-haut, il y a la montagne de la mort, ou la vallée de la mort. Et là, il y a le désert. Et il me semble que pour le désert... Pour le désert... je crois qu'il faut... je crois qu'il me faut le livre pour le désert. Bon, ça c'est encore une fée, donc on s'en fout. Tout va bien. Hop. Alors... Wow. Attends, je suis tombé pile sur le mob. Voilà, ça c'est bon. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui, je suis dans le bon sens, tout va bien. Hop. Ah oui, putain, c'est une salpette électrique, ça. Ah bah voilà, ça y est, je viens de me rappeler comment on utilise les boîtes. C'est appuyé en même temps, pas bien compliqué. Oh! Tiens, ça! Bon, je devrais plus tarder à arriver là où il y a le fameux trésor de Sahasrara. Voilà. Ah, et il y a une entrée à côté. C'est encore une caverne de fées? Bon, bah, allez, hop! Allons-y. Voilà. En voilà une et en voilà deux. Ça, c'est bon. Hop. Alors. C'est super chouette, ça. Donc, il faut que j'y aille par l'extérieur, visiblement. Voilà, ça sera par ici. Et donc, qu'est-ce que je récupère? Est-ce que c'est pas là que je récupère le bracelet par hasard? Je m'en rappelle plus. Oh, la baguette de glace! Super! Enfin, super. Je crois me rappeler que c'est à peu près le seul truc que j'utilisais jamais avec la baguette de feu. Hop! Donc, baguette de glace déjà, ok. Voilà, super, je suis à fond. Bon, là, il n'y a rien. Enfin, du coup, rien d'intéressant. Ouh, pognon! 667. Je suis un peu pété de blé. Ouh, raté. Oh merde, quel con. Ouais, merci pour le cœur. Alors. Ah bah là, il y a... Ouf, j'ai eu un coup de bol avec le... avec le bouclier. Voilà.
Voilà, donc, encore un petit passage secret. Ah oui, je me rappelle de ces espèces de vers de terre là, tout bizarre. Alors du coup, est-ce que ça marche avec le boomerang? Je me rappelle plus. Non, ça ne marche pas avec le boomerang. Donc il va falloir les poutrer avec ça. Raté, raté. Oui, je l'ai eu. Et lui aussi. Ah, c'est un voleur, je crois. Oh. Ok, j'ouvre plus de coffre. C'est bon. C'est bon. Les autres, je me les garde pour plus tard si à un moment donné j'ai besoin de pognon. Ok, je suis au max. Je suis au max. Question pognon. Tout va bien. Salut Hector! Hop! T'inquiète pas, tu as pas eu le temps de rater grand chose. Donc j'ai pas le bracelet encore. Est-ce que du coup ce bracelet il se trouverait pas? Merde. Est-ce qu'il se trouverait pas dans le temple du désert? Je crois qu'il est dans le palais du désert. Donc du coup, il va me falloir le livre de Ludora. Pardon les gars, je vais... Voilà, ça je récupère. Ah oui, mais là il me faut, ouais, là il me faut le super bracelet de la mort. Ah, je suis pas du tout au bon endroit là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, non, c'était en bas en fait. Je suis allé, c'est pas du tout par là. Non. La semaine dernière, on avait. Rappelle-toi, la semaine dernière, j'avais fait l'épisode le vendredi. Puisque j'étais en déplacement, donc c'était juste pas possible que je fasse l'émission dimanche. C'était le Seigneur des Anneaux. Donc là, c'est le tout premier épisode qu'on se fait sur Zelda. Là. Alors, non, c'était pas là, c'était dans la bibliothèque qui se trouve là. Voilà, voilà. Pim! Livre de Mudora, c'est ça. Donc ça, c'est bon, on va pouvoir donc aller dans le désert. Hop. Et non, là j'ai pas le bracelet, donc je peux pas encore. Je peux pas encore faire le petit parcours pour gagner un quart de cœur. Tu avais jamais vu A Link to the Past? Bah écoute, voilà ce qu'on faisait il y a 22 ans, quoi. 22 ans. Il est sorti en septembre 92. C'est impressionnant, quoi. Il y a... c'est magnifique. C'est à pleurer tellement c'est... c'est... Tellement c'est beau, c'est bien, c'est... Voilà. C'était il y a 22 ans, quoi. Impressionnant. Nintendo, quand même, c'est vraiment les chefs, quoi. À l'époque. Il n'y a pas de problème. Les mecs, ils savaient coder, hein, pas de soucis. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dans le secteur, là? Y'a pas une petite grotte ou un hôtel, là? Ah, il y avait quelque chose, effectivement, mais il me faut encore le bracelet. Par contre, là, il y a... Voilà, là, il y a un petit truc. On va y aller. Non, c'est pas en 3D isométrique. C'est pas de la 3D isométrique, c'est du mode 7. Fuck, je vais pas bien pousser. Bon, tant pis. Ah oui, exact. Exact, ça y est. Et là, je crois que ça a vidé l'extérieur.
on gagne, voilà, un réceptacle et je sais plus ce qu'il y a. Je sais plus qu'est-ce qu'il faut faire avec les poissons déjà. Il y a un truc à faire avec les poissons. Je crois qu'il y a un mec affamé. Il y a un mec affamé et il faut lui amener un poisson. Un mec. Ah, qu'est-ce que c'est déjà l'histoire du poisson? Salut Potenzeid. Je sais pas, je vais t'appeler comme ça. On va faire une prononciation américaine. Ah putain, c'était où déjà? C'était quoi déjà l'histoire des poissons? Ça m'énerve. Ah bah ils ont disparu d'ailleurs les poissons, donc ça c'est fait. Ah le petit lapin, je m'en rappelle. Hop. Voilà. Ça c'était marrant ce truc là aussi. Il fallait couper l'herbe sous le pied du petit lapin là, pour qu'il nous file un truc. Ah, il y avait quand même des tonnes de choses à savoir. C'est assez impressionnant. Ah, je crois que c'est lui. Et je crois que sur la pancarte, il y a marqué « File-moi à manger ». Ah non, il fallait lui prendre la pancarte. Et après, il se met à gueuler, ouais. C'est vrai. Bon, là, c'est bon. C'est tout vu. Je me rappelle plus pendant combien de temps le mec il nous suit. Ah bah ça y est, juste jusqu'au moment où on change d'écran. Bien, alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette grotte déjà? Ah bah c'est clair, hein. Il est dans le top NES à beaucoup de gens. Le Zelda 3, c'est impressionnant ce jeu, comme il a pu faire l'unanimité. Ou le vautour. Hop. Voilà, il y avait quand même des... Il y avait des références à énormément de choses quand même. Hein. Le signe au sol qui fait vraiment... qui rappelle vraiment les signes de la civilisation Inca, je crois. Voilà, super. Donc lui, en gros... Il me disait d'aller chercher le livre de Midora, et je l'ai déjà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Encore un fragment, donc il me reste plus qu'un quart, et je gagnerai un réceptacle. Donc là, a priori... T'as faim tout le temps. Qu'est-ce qui t'arrive? Oula, on a perdu Sano déjà. Bien, alors... Ben là, ça va pas être compliqué. Aïe. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Ah oui, ça va faire bouger les têtes. Voilà. Donc, c'est pas ça, c'est ça. Et on dit, pour ouvrir un chemin, fais une prière, elle sera avec toi. Et ça, non? Le signe de croix et tout. Le signe de croix qui est aussi évidemment une référence biblique et qui tiens, c'est bizarre d'ailleurs qu'il l'ait conservé la prière, sachant que Nintendo voulait virer toutes les références. Ta traduction FR est-elle correcte? J'ai jamais fait le jeu en US. Bah écoute, il me semble que la traduction était pas trop mal. Enfin, j'en ai jamais entendu vraiment du mal. Par contre, comme je le disais au début de l'émission, le jeu a en fait été altéré sur les références. C'est-à-dire que le jeu, en fait, normalement, énormément de références bibliques. Et en fait, Nintendo les a dégagés. Enfin, Nintendo of America les a dégagés.
Et donc, on s'est retrouvé avec un jeu où le prêtre dans l'église au tout début du jeu n'est pas un prêtre, mais en fait un maître de sanctuaire. Ce qui en soi est quand même une sorte de référence quelque part biblique, mais bon, pas grave, passons. Voilà. Il y a plein de trucs, bibliques, de références bibliques qui ont sauté entre la version Jap et les versions occidentales. Alors la jauge verte en haut à gauche, c'est la jauge de magie. Ah oui, mais... Exact. Hop. C'est vrai que ces trucs-là, je crois qu'on peut les contrer qu'avec un bouclier miroir, je crois. Hop. Donc, la jauge verte, c'est la jauge de magie. Et donc, c'est la jauge que se partagent tous les objets magiques. On peut voir ici, par exemple, si j'utilise la baguette de glace et la lanterne, par exemple, ça va piocher dans cette jauge verte. Voilà. Mais j'ai pas la Master Key, donc je suis là trop tôt. Donc faudra que je revienne. Hop. Bon, il y a des trucs qui bougent chez moi. Ok, donc ça c'est bon. Voilà. Ah oui, il y avait un truc. C'était quoi déjà? Il y avait un truc, je crois qu'il faut pousser un bloc. C'est ça. Putain, c'était une mémoire. C'est impressionnant. Et là, je crois qu'il faut que j'allume les bras zéro pour déclencher un truc aussi. Raté. Hop. Voilà, je suis à fond de vie. C'est bien. Aïe. Je suis plus à fond de vie. J'ai ramassé une clé, oui. Exact, mais il faut que je trouve une porte à ouvrir. Donc on va aller voir par là. Ce que j'ai pas fait, tout ça encore. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va aller ici? On va attendre qu'il ressorte. Du coup, ça va me faire apparaître un coffre. Rien du tout. Parfait. C'est vrai qu'ils avaient fait quelques... C'est vrai qu'il y avait quelques salles qui étaient là un peu pour nous planter. Ah, la boussole. Ça, c'est bon. Parfait. Hop. Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Je peux lui faire allumer les flambeaux, oui, les bras zéro, mais oui, je peux lui faire allumer, sans problème. Ah bah la Master Key. Bon bah ça y est. C'est vrai, il vit plus ce donjon, celui-là aussi. Par contre, les donjons à partir du monde des ténèbres, alors là par contre c'est pas la même histoire du tout. Qu'est-ce qu'on a là déjà? Pourquoi il y a autant d'entrées ici? Ça déjà. Ok. Bon. D'accord. Why not? Bien, donc allons voir ce qu'on va gagner comme trésor dans ce donjon. Si c'est pas le bracelet, c'est le bouclier miroir, je crois. Enfin, le bouclier qui permet de... pour rien. Le bouclier qui permet
de renvoyer les rayons laser des statues là. Donc, raté, c'était pas par là. C'était pas par là. C'était pas par là. Et on va avancer un peu plus vite en faisant ça. Il peut être fait assez vite, mais tu peux passer un million d'années à l'explorer. Oui, oui, en effet, oui. C'est vrai que ce jeu, tu peux aller très vite à te le faire, mais tu peux passer aussi des journées entières à essayer d'en faire quelque chose. Le gain de force, le gain de la puissance, voilà. Donc, ça c'est super. Ouais, bah ouais, finalement ça sert à rien. Bien, donc ça c'est fait. Alors, la question c'est... Où est-ce que je ne suis pas encore allé? Parce que là, j'ai un peu l'impression d'avoir tout fait. Ah, il y avait une épée qui n'était pas dans la Solus. Ah bon? Et c'était quoi? C'était quoi l'épée? Non, non, ça fait rien. Rien du tout. Alors, je me rappelle plus où est-ce qu'il faut que j'aille. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Là, j'ai tout fait. Est-ce qu'il faudrait pas que je ressorte par hasard? Je me rappelle plus. Ça c'est bon. Non, je crois qu'il fallait pas que je ressorte. Non, c'est pas ça. Allez, on va refaire le coup de la pierre. Hop. Oui, ça va, on va couper, ça bouge. La Master Sword. en fait, je crois que c'était ça. Hein. Je crois qu'il fallait qu'en fait, j'aille à la sortie de l'autre côté. Et ça me permettait d'accéder à l'autre partie du donjon. Avec les caillasses à jeter de l'autre côté, je crois que c'était un truc du genre. On va voir. De toute façon, je suis pété de blé, donc je vois pas pourquoi je m'emmerderais à ramasser le rubis. Wouh! Fallait prendre un shoot là. Alors, non, je crois que c'était pas par là. Oh, youpi! Un réceptacle! Voilà! Ça de prix. Ah, ça m'embête. Voilà, elle est là l'entrée. Ça, c'est le rez-de-chaussée, si je me rappelle bien. Alors, aïe. Voilà. Et là, je crois qu'il y a les dalles qui s'envolent. C'est ça. Je crois que ça ne sert strictement à rien. Je vais tenter ça, à part mourir. Voilà, donc on va arrêter la connerie. Et on va essayer de vite récupérer de la vie. Quoique j'ai encore les... J'ai encore les effets sur moi. Donc... Ça fera le job. En cas de pépin. Hop. Voilà, voilà. Ça, c'est bon. Oh putain! Heureusement qu'il y a la fée, hein.
Alors, combien il me remet? Ah, ça me remet tout. Bon, c'est parfait. Ah, zut. J'ai pas eu la clé. Alors, quelle est la clé déjà? Ouf, putain. C'était chaud. De nouveau, les balles qui cassent les pieds. Et donc là, ça doit être l'entrée du boss. Hop, alors. Réveille-toi, Jimmy. Allez, réveille-toi. Hop. Et donc c'est là qu'il faut utiliser la lanterne sur les quatre bras zéro. Voilà. Ah d'accord, bon. Va chercher ton linge. Nous on est là jusqu'à 18h, donc écoute, si t'es de retour avant 18h, tu pourras nous voir sans problème. Ah oui, c'est vrai que le caillasse, ça faisait mal. Aïe. Eh ben, vous avez crevé, oui. Oh là 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 là. Ça pue la merde. Je fais n'importe quoi. Je joue n'importe comment. Je suis droit dans les trajectoires des bordels là. Allez, deuxième fée, c'est parti. Bon, il faudra que je la récupère. Ah, en voilà un de moins. Et je crois que le fait d'en avoir buté un, ça rajoute des pierres. Ah non, c'est quand j'aurais buté, mais voilà. C'est là que ça va en rajouter les pierres. Voilà. Ah! Voilà! Terminech! Deuxième boss! Hop! Et le médaillon qui tombe au milieu. Voilà! Donc, deuxième médaillon. Maintenant, il va falloir partir vers la montagne de la mort. Et on va peut-être réussir à avoir Excalibur en un seul épisode, hein? C'est pas impossible! C'est pas impossible. Donc, bah maintenant que j'ai maintenant que j'ai donc le bracelet et les bottes, on va pouvoir. Ah oui, c'est vrai qu'on arrive à les porter ces deux trucs, hop. Et il me semble qu'il y a une amélioration du... D'étranges et merveilleuses choses, il vit. Ok, bon bah toi, pareil, je vais te laisser tranquille avec tes pots. Parce qu'il y a moyen que ça m'intéresse un peu plus tard. Et effectivement, je crois qu'il faut une upgrade pour soulever les pierres noires, comme celle-là. Je crois qu'effectivement, il y a voilà. Excalibur. Oui, dans ce jeu, c'est Excalibur. C'est pas l'épée du temps ni la Master Sword, c'est Excalibur pour de bon. Elle peut, l'arme peut être upgradée à un moment donné, mais c'est effectivement Excalibur. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors. On va aller chercher le réceptacle. Mais
chouette. Ah oh, merde. En fait, je l'ai attrapé. Ah, zut, dommage. Tant pis. J'en trouverai d'autres. Hop. Et... Donc, comment on fait déjà pour là-haut? Je m'en rappelle plus. On verra. Oui, ben le... Comment ça, les trucs qui viennent des fées. Le gars, il parlait de là où il y avait la baguette de glace. Alors, hop, hop. Fuck. Ah, quel con. Je m'en rappelais plus. 23 secondes. Hop. Ah, mais je crois que je pouvais le récupérer, en fait, le réceptacle. Ah, que je suis nul. Je suis sûr que je pouvais récupérer le réceptacle direct. Hop, ça c'est fait. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà. 13 secondes. Fragment de cœur. Ah ben non, là, en fait, je pouvais pas le récupérer. Ok. Bon, ben ça c'est fait. 999 copies quand même. Alors, je pense que j'ai quasiment fait le tour. Donc on va remonter tout ça. Parce que là, a priori, je ne vais pas trouver grand-chose de plus, il me semble. Je crois qu'on peut ouvrir ça. Ah non, il faut l'upgrade du bracelet. Et là, je crois que c'est les bois enchantés, ou je vois là, ou les bois perdus. Et là, il y a une baraque. Qu'est-ce que c'est déjà? Alors... Quelle marque qu'elle a tu? Ah bah c'est la montagne de la mort. D'accord, direct. Donc est-ce que ça nous amène à la montagne de la mort? Oh oh. Ah oui, c'est vrai qu'il faut, faut emmener papy avec nous. Exact. D'accord. Ok, papy. Faites-moi des amours, tout va bien. Bon, je crois qu'on a déjà trouvé la sortie. Voilà. Qu'il y a du vide en haut de mes étagères. De quoi il parle? Ah, là. Non, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'il y a trop de trucs stockés sur les côtés, en fait. C'est pas réellement du vide. Oups. C'est vrai qu'il y a les caillasses qui tombent. Donc, ah oui, le miroir, exact. Ben, le miroir qui nous permet d'ailleurs de passer dans le monde des ténèbres, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Hop. Donc, il m'a régène, ça c'est bien. Il y a encore du pognon partout. On va voir ce qu'il y a par là. À partir de là, j'ai la mémoire qui commence à avoir un peu plus de mal.
galère un peu plus. A priori, il n'y avait que du pognon. Donc on va sortir par là. Alors, où est-ce que ça m'a mené? Je me rapproche. Donc, c'est pas là. Ah oui, il me semble que... Et merde. Je crois qu'il fallait pas sauter, là. Ah bah, c'est pas grave. Donc, je crois qu'il faut... Aïe. Je crois qu'il faut aller par là. Ça, c'est bon. On continue de grimper. Qu'est-ce qu'il y a marqué, là? Quoi? D'accord. Ah oui, mais ça, c'est le retour au village Cocorico. Très bien. Et là, je crois qu'il y a un délire avec le miroir, il me semble. Il y a un truc à faire avec le miroir. Il faut passer dans le monde... des ténèbres. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a 5 secondes de lag entre Aurore et toi. Ah ouais, d'accord. Oh, cool! Génial! On a une. Voilà. Et la deuxième. La troisième, pardon. Je la prends! Bon, là, tout va bien. Alors, le petit verre. Ça, c'est géré. Tac, tac. Parce qu'ils ont fumé d'ailleurs le jour où ils ont créé ces mobs. Je sais pas pourquoi. Bon, visiblement, c'était pas le bon endroit. Ah, mais non, je crois que c'est à partir de là où il faut commencer à utiliser le miroir. Ah non, je peux pas. Alors, il faut être sur une plaque. Je crois qu'il faut être sur une plaque pour pouvoir changer le monde. Ah bah, on voit une. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'on se change en lapin. Et oui, il faut un item qui nous permette de rester normal. Exact. Et ben la perle de lune. D'accord. J'ai complètement oublié ça, tiens. Ça, c'est bon. Et je crois que c'est là qu'il faut utiliser le miroir. Voilà. Clac, fragment. Et là, donc, on va pouvoir attaquer le troisième donjon, déjà. Ah, ouais. Ça, c'était sympa comme système d'énigme. Je crois que c'est un peu là-dessus d'ailleurs que le jeu sur DS a basé énormément d'aspects de son gameplay sur le fait de basculer entre les mondes, entre les couleurs, entre les ouvertures. Hop, ça c'est bon. Je crois que si je remonte comme ça, je peux plus sortir, il me semble. C'est ça. Je redescends, que j'active l'interrupteur. Donc là, ça commence à être des trucs un peu plus prise de tête. Faut rien oublier. Mais ça y est, vous commencez à faire des trucs et à dire des trucs bizarres là, tout ça. Alors, hop. Ah ouais, il y avait un délire aussi où il fallait... Il faut se jeter dans les jarres, il me semble. À un moment donné. Il y avait un truc comme ça. Mais...
faire ce côté-là que j'ai pas encore fait. Ça y est, ça commence. Ah zut! Hop! Alors. Je me rappelle plus ce qu'il y avait à faire exactement. Faut pas me filer le cœur, non? Ah bah, il me faut la Master Key et je l'ai pas. Je ne suis pas la peine. On va pas s'en occuper avec ça. Ah zut! Évidemment. Oui, bah oui, forcément. C'est quoi le nom du truc? De quoi tu parles, Victor? J'ai pas suivi là. De quoi tu parles en parlant de SAS là? J'ai pas suivi. Oh putain, je crois que c'est encore les balles. Voilà, ça y est, allez, on ressort une fée. Heureusement qu'elles sont là, les fées, quand même, hein, parce que... Je douille. Je vais un peu trop vite aussi. Aïe. Hop. Hop. Allez, c'est bientôt fini. Voilà. Aïe. Je vais trop vite. Ah lui il m'a suivi mais bien comme il faut jusqu'au bout quoi. Ça y est, je suis de nouveau borderline question de vie. Alors. Hop. Bon bah là il va falloir allumer les bras zéro, visiblement. Ah, raté. Ok, donc déjà la Master Key. Descendre donc. Raté. Déclencher ça. Voilà. Alors après. Alors qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Ah ben non, il faut retaper encore le truc avant de descendre. La grosse pierre. La grosse pierre. La grosse pierre. Alors là. Je n'y suis plus, Altor, là. Je suis plus. Alors. Je parlais avant de la grosse pierre à laquelle tu as parlé. D'accord, quelle pierre? La pierre qu'il y avait en plein milieu là qui me permettait d'avoir ça sera là en ligne. Ah voilà, il est là le délire avec lui. C'est là, c'est à partir de là le délire avec le fait de tomber dans les jars. Hop. Bon, alors. Viens par là, toi. C'est bon. Voilà.
C'est toujours bon. La rater. Que je fasse une talente. Sinon c'est drôle. Bien alors, qu'est-ce que c'est? Boussole. C'est super. Filer la boussole. Comment ça marche déjà ce truc? Je crois qu'il faut que j'aille à l'étage et que je me jette pour tomber au niveau du. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des moteurs. Alors, comment ça marche déjà? Il y a des fissures un peu partout. Ça à chaque fois ça nous j'avais oublié ça. Tiens, qu'est-ce qu'il y a par là déjà? Chose. Ok, allez, viens là, ça te dit. Ouais, je crois que c'est putain. Allez, hop. Je vais enchaîner les étages, là, je crois. Alors, ça serait bien que je trouve un petit interrupteur pour pouvoir ouvrir l'accès aux jarres du dessous, parce qu'il me semble que les jarres, elles... En dessous, il y a de la vie. Ah, peut-être. Peut-être. Il y avait quelque chose avec ça, effectivement. C'est pas impossible. On va vérifier. On va vérifier ça. Hop. On va voir si ça marche. Voilà, c'est bon. Semble que... Ah! Bien! Troisième... Oh, bah dis donc, ça a été rapide, Potenzaid. Il me semble qu'après, là, il va s'exciter, là, d'un coup. Voilà. Hop. Alors, viens par là, toi. Viens là, ça fait...
Allez, troisième médaillon les mecs, donc on va pouvoir aller chercher Excalibur. Non, ça doit tomber par là. Voilà. Bon, je me rappelle plus le système avec les jarres. Et je me demande si c'était dans celui-là. On verra. Donc, sorti de là, on va pouvoir aller voir si on peut aller chercher. Donc, ah ben là, il faut le marteau. Là, il y avait un truc où on frappait pour faire tomber ces morceaux de bois. Donc, ça, c'est bon. Ok, ok. Et par là, il y avait quoi? Ah, il y avait un truc, une plaque digne. Allons-y. On va voir ce qui est marqué. Ah oui, il faut Excalibur et on obtient quelque chose ici. Exact. Il faut lever Excalibur à cet endroit-là. Donc là, c'est bon. On peut descendre et on va prendre le raccourci pour aller au village Cocorico. Tout va bien. Alors, tac tac tac. J'aimerais bien à un moment donné me servir de mon pognon. Ça me ferait plaisir. Là, j'ai plein de fric et je m'en sers pas. Tac tac tac. Donc, tout ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça aussi. Et là, on atterrit où? Ah, on atterrit là. D'accord. Et donc au-dessus c'était quoi? C'était pas le... Non, c'est pas Zora. Je me rappelle plus où il est Zora. Ah, c'est les Mongols ça. Enfin, façon de parler. Ah oui. Il y avait un truc, il me semble que quand on passe dans l'autre monde, on peut se jeter, on peut courir sur l'arbre, le faire tomber, et je sais plus, on obtient un truc. Je sais plus ce que c'est. Ou alors, ouais, c'est peut-être un passage pour aller chercher le réceptacle qui est là. C'est... Il y avait un truc du genre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a déjà chez eux? Je me rappelle plus. Il y a un peu rien du tout, visiblement. Donc, tout va bien. Là. Ah ben là ça nous amène dans la forêt. C'est ça. Et ça nous amène directement. Ah ben non, Excalibur était là. Ça c'est les jeux de hasard donc on s'en fout. Ah non, c'était une fausse Excalibur, c'est vrai. C'est vrai. J'avais oublié ça. Alors. Quoi ça sert déjà? Il y en a un moment donné qui cherche un champignon, mais alors je me rappelle plus à quoi ça sert. Nous verrons. Je crois que c'est là, Excalibur. Oui, c'est là. Ouh, putain, Excalibur. Link, c'est merveilleux que tu aies trouvé Excalibur qui fait battre en retraite le démon avec cette épée étincelante. Je pense que tu peux dévier les pouvoirs diaboliques du sorcier. Le destin de cette terre est entre tes mains. Je t'en supplie, Link. Voilà donc. Nous revoici avec Excalibur et un petit bouclier de merde, faut le dire. Ah oui, et donc c'est forcément à ce moment-là que Zelda se fait kidnapper. Hop. Ah oui.
que c'est vachement plus efficace quand même. Ah oui, exact. C'est vrai qu'on a les petits coups de laser. Ah putain, qu'est-ce que c'est bon ça. Génial. Bon, allez, on va aller... Non. Ça, je suis pas encore assez fort. Tac, 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 tac. Voilà. Eh ben, on va aller chercher Zelda. Il se fait kidnapper. Comme d'hab. Enfin, en même temps, quand on dit Zelda est kidnappé dans la même phrase, c'est limite du pléonasme. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dessus ? On va aller voir le monsieur tout mort du sanctuaire. Donc la plus haute tour du château. Voilà, donc papy il a mouru. Oui hein, c'est ça, il a disparu comme Yoda. Donc c'est bon, on peut aller au château maintenant. Aussi avec le pire combat, il me semble. Et quelque chose. Bon. On va voir un petit peu ce qu'on a dans le coin. Ah bah je vais pouvoir faire le plein de... Non, tant pis. Je ferai pas le plein de... fées. Tant pis. Qu'est-ce que tu crois? J'ai une scalure, moi. Hop, hop. Oh, les effets sonores du système du jeu, il est quand même assez impressionnant. Donc, je crois qu'effectivement, c'est par là, Zora. Donc, du coup, on va pouvoir récupérer les palmes. Ah, et je crois que c'est à elle qu'il faut lui filer le champignon. C'est ça. Tiens, cadeau. Ouais, donc là on s'en fout. Hop. C'est par la Zora. Ben là non, en fait, il me semble que c'est plutôt dans... Ah, fuck. Ah non, c'est bon. Je peux quand même passer. Tout va bien. Là non, en fait, les Zora, c'est dans, dans une rivière, là, en fait. Voilà. Voilà, c'était par là, les auras. Alors, c'est des saletés. Et je crois qu'il faut le payer, en plus, les auras, pour avoir... je sais plus. Qu'est-ce qu'il demande en échange, déjà? Ou alors, il demande d'avoir un médaillon, je crois. Bon, ben, alors, raté, c'était pas par là. C'était pas pareil non plus. Donc c'est tout en bas. Hop, skill. Tac, tout va bien. Voilà. Alors. Je veux les palmes. Voilà, c'est ça. Il me semblait bien que fallait lui filer
Fallait lui filer du pognon. Bien, donc ça c'est fait. Hop. Voilà. Et donc à un moment donné, on peut avoir un accès. Et ben voilà, le réceptacle, le fragment, pardon. C'est par là. Hop. Vous allez me foutre la paix, hein, je suis un des vôtres maintenant. Voilà. Bon. Eh ben ça c'est bon. C'est chouette, on a les palmes. Je suis étonné que ça avance aussi vite quand même, hein, parce que dans le moment, franchement, ça prenait un petit peu plus de temps. Et là, il me semblait bien qu'il y avait un truc. Bizarre ça, j'ai pas du tout choisi de jeter l'arc. Pourquoi il a jeté l'arc? D'accord. Ok, il a choisi tout seul de jeter l'arc. Tout va bien. Je peux pas choisir de jeter autre chose. Non. Bon. On va rentrer. Il y a quelque chose à améliorer, mais je me rappelle plus quoi. Ah d'accord, en fait on sélectionne comme ça, ok. On va essayer le petit bouclier. Ah voilà, elle m'améliore le bouclier. Voilà, ça c'est cool. Il me semblait bien que on pouvait l'améliorer. Et il y a encore autre chose. Non, les bottes, non. Peut-être le gant. Je crois que le gant, on peut l'améliorer. Alors. Non, c'est pas le gant. Qu'est-ce que je peux jeter d'autre, déjà? Bon, le miroir, ça sert à rien. Le livre, à rien. Les bombes, à rien. La lanterne, la baguette, peut-être le boomerang. Le boomerang ou alors le... comment ça s'appelle? La tunique, peut-être la tunique. Qui va passer en bleu ou en rouge. Ah, on peut pas lancer la tunique. Ah ben parce que les tuniques on les loot. Donc Excalibur non, c'est trop tôt, c'est plus vers la fin du jeu qu'on peut le lancer. Les palmes, peut-être les bottes. Boomerang. Ah le boomerang. Voilà. Boomerang magique. Ça c'est bon. Et je vais terminer avec qu'est-ce que j'avais dit, les bottes. Alors non, peut-être les bottes, ouais. Et je crois que il me semble aussi que le si on lui lance un bocal, elle nous le remplit. Ouais. Bon, allez, ça va. De toute façon, on va pas passer 1000 ans là-dedans. On lance une fois un bocal et ça ira bien. Allez. Hop. Yes. Hop. Et normalement, elle nous le remplit, je crois, d'une potion rouge. Il me semble. Oui, je vais jeter. Ah, potion verte. D'accord. Élixir de magie. Ok,
Ah, j'aurais pu remonter aussi vers la montagne pour aller chercher le pouvoir de l'éther, là, je crois pas. Là, de toute façon, je peux pas passer, donc c'est la peine. Attaque. Ah, où est-ce que ça vient, ça, déjà? Tu as nagé, oui? Ah, est-ce que c'est encore une autre cascade secrète, ça? Non. Ouais, donc là, je suis de retour ici. Pas bien. Hop, chaudement. Voilà. Hop. Donc là, direction la montagne de la mort pour retourner. Oh les cons, on fait perdre mon laser, bande de salauds. Bon, allez, il reste 10 minutes. Je vais aller chercher le pouvoir qui est tout en haut. Comme ça, au moins, ça sera fait. Et surtout, j'oublierai pas la prochaine fois d'aller le prendre. Merde, je crois que ça fait peur de la vie, ça. Oui. Hop. On va voir s'il y a quelque chose par là. Pas là, pas grand chose. À part des sales bêtes. Rien du tout. Ok, allez, direction donc le haut de la montagne, c'était par là. Voilà, vers le bas. Tac. Logiquement, maintenant, comme j'ai la perle de lune, je ne me transformerai plus en petit lapin. Qu'est-ce qu'on a là aussi? Je crois qu'il y a un truc. Ouais, c'est ça. Je crois que à partir de là, il y a une histoire avec le grappin, il me semble. Le grappin, ou alors il faut changer de monde. Waouh. Non, ça prend un peu cher. Voilà. Hop. On retourne donc dans le monde. Il y avait ça aussi. Il y avait ça. Voilà. Hop. J'avais oublié ça, tiens. Cool! Voilà, ça m'en fait un complet. Et ça m'ordonne à fond. Le sommet de la montagne du spectacle. Wouhou! Ah! Bah oui, ça aussi j'avais oublié, tiens. Voilà. Hop! Ah bah, je suis à fond. Donc c'est parfait. Bon, très bien. Je vais finir, franchement, là, l'émission, je vais la finir en nickel propre. Hop. C'est bon. Voilà. On va finir en plus. Tac. Donc, on récupère le pouvoir de l'éther, comme il disait. Là, il me faut le miroir qui est là. Voilà.
BO, elle est quand même impressionnante. Elle est impressionnante, j'avoue. Voilà. Hop, toi tu calmes. On sort le bouquin. Et voilà. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Ah ouais, exact. Ça y est, je m'en rappelle. C'est un gros pouvoir magique en fait. C'est un gros pouvoir magique. Bon, ça me fait grave tout ça. Ça le fait grave. Bon, on retourne au village Cocorico et puis écoutez, 53. On va peut-être juste le temps d'aller se faire à Ganym. Ouais, ça devrait pas être supra long. On va voir. Si on a le temps d'aller se faire à Ganym. Allez, on va se prendre le temps d'aller se faire à Ganym tout de suite. Dans le château de Zelda. Hop. Hop, alors. Ça va, c'est tout droit. C'est parti. Aïe. Ouh, récupère de la vie. Est-ce que je suis du bon côté? Ça a l'air d'aller. Non, ça a plutôt l'air d'être le bon. Sans jeu de mots. Non, je suis plus du bon côté. En fait, c'était bon là où j'étais. Hop. Donc on y redescend. Allez, crève, charogne. Voilà. Eh ben voilà, très bien. Hop. Et là, on peut rentrer direct dans le château comme ça. Voilà. Allez, Aghanim, je viens pour toi, saleté. Je vais te faire la peau. Ce qu'il disait, il parlait de la tour la plus élevée du château. Le problème, c'est que... Peut-être par là. Peut-être plus bien. Gaganim, où tu es? Ben là, on redescend vers le... On redescend vers la prison, donc c'est pas ça. Ah, mais oui, il y avait un... Exact, ça y est, je me rappelle. Il faut retourner, en fait, par là où on s'était échappé avec Zelda. Parce qu'il y avait des murs avec des fissures. Donc, en toute logique, ce... Ah non, je crois qu'il y avait une histoire. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Et là, tout seul, est-ce que je vais pouvoir pousser ça? Non, je peux pas. Ok, alors. Là, c'était un peu la merde. C'était un peu la même merde. C'était un peu la merde. Comment on fait? Oups, pardon les gars. Comment on fait? Est-ce qu'il faut qu'en fait j'aille à l'extérieur peut-être? Je crois que c'est plus du tout par là en fait. Faut que j'aille à l'extérieur et que je trouve un moyen d'aller sur les remparts, il me semble. Et une histoire comme ça. Oula! Là, ça va être mal. Non, c'était pas ça. C'était pas ça.
Pourtant, c'est bien là. Ah, je crois qu'il y a un délire avec... Je crois qu'il y a encore un délire avec le passage dans le monde... Dans le monde de ténèbres. Il y a un truc du genre. Non. Je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il faut que j'aille voir le gamin? Peut-être. Je commence à avoir oublié certains détails. Je crois qu'il faut que j'aille voir le joueur de musique. Le joueur d'Ocarina. Mais pourquoi? Parce que il me semble que c'est son hibou qui va m'amener tout en haut du château, il me semble. Enfin, le hibou, je sais plus. Il y a un délire de cet endroit-là. On fait déjà. Je crois qu'il faut que je passe dans le monde des ténèbres. Ah! Je m'en rappelle plus. Là, sur ce coup-là, je ne m'en rappelle plus. Là, on retourne à Cocorico. Donc, c'est pas ça. Tout là-haut, ce qui brille, ben, c'est mon portail de la montagne de la mort. Ah, dommage. Je pensais que j'allais arriver à me faire la game dans l'intervalle. Mais je ne me rappelle plus du tout comment on fait pour arriver jusqu'à lui. C'est dommage. C'est dommage, je ne me rappelle plus. Et là, il n'y a rien. Là, non. Là non plus, là c'est le cimetière, là c'est la montagne de la mort. Non, bon, ben je m'en rappelle plus, tant pis. Et ben pour cette fois là, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vais sauvegarder, hop, voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je trouve quand même qu'on a on a fait une belle avancée sur ce jeu. Moi, ce que je vous propose, ben, c'est comme tous les dimanches à 18h à la fin de notre live, c'est de voter pour savoir si nous allons continuer sur ce jeu la semaine prochaine, voir si on va enfin pouvoir, si je vais enfin pouvoir me rappeler comment on arrive à Ganym, se le faire et ensuite donc passer dans le monde des ténèbres, ou si vous voulez qu'on passe à un autre jeu. Donc c'est parti tout de suite, regardez au-dessus de moi, comme d'habitude, vous avez l'adresse du blog, rufoenco.com, .wordpress.com, excusez-moi, j'ai pas encore acheté le nom de domaine. Donc c'est parti, à vous d'aller voter, je vous laisse 2 minutes pour ça, le temps pour moi de regarder 2-3 trucs à côté, et vous avez 2 minutes, rufoenco.wordpress.com, c'est parti. Allez-y, votez, on se retrouve vraiment dans 2 minutes. Allez, à tout de suite. Et je vous laisse la petite BO derrière. Thank you.
Bah écoutez, je pense que là on va pas attendre plus longtemps. 360 minutes pour survivre. Salut. Il était temps que vous arriviez. On a fini. Hein les gars, ça commence à 16h et ça finit à 18h. Donc bon. Bon bah écoutez, je pense que là on va pas attendre plus longtemps que ça. La messe est dite. 100% des votants a voulu qu'on continue sur Zelda. Donc la semaine prochaine, dimanche prochain à 16h, notez bien, hein, suivez mon regard, 360 minutes pour survivre, voilà. Non, pardon, c'était de l'autre côté, je vous refais la blague, n'est-ce pas, 360 minutes pour survivre, voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 16h, notez bien, à 16h et non pas à 18h, pour la suite donc de nos aventures sur Zelda A Link to the Past. Logiquement, on devra arriver à se faire le gros méchant qui est là. Ouh là, il est pas bien. Et en plus, il est bien en vert, c'est dégueulasse. Et donc, on passera enfin dans le monde des ténèbres. Allez, écoutez, on va se quitter là-dessus. Je vous fais de gros bisous à tous. Bonne fin de week-end, bon début de semaine. Désolé, mais demain, c'est déjà lundi. Donc écoutez, je vous fais des bisous. Bon courage à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.